Les enseignants ont la chance d'aller vérifier les tendances d'assiduité de leurs propres élèves, en accédant à leur page d'accueil sous l'onglet Assiduité. On avait déjà vu, on pouvait prendre l'assiduité en cliquant sur l'onglet latéral quotidien ou par plan de salle, et puis on peut aller voir les tendances de l'élève en cliquant sur l'onglet Tendances. Donc, ici, on a la chance d'aller voir les tendances de différentes façons à l'aide du filtre. Donc, on peut aller voir soit par thème, cette semaine, les 2 dernières semaines, 4 dernières semaines, par mois et même par année si on regarde les filtres supplémentaires. Donc, si on regarde l'écran, on voit justement ici que Sarah, elle a été absente, OK, le 22, encore le 28. Puis, à la fin, on a un petit bilan des totaux des absences. Si je veux plus de détails, je peux cliquer sur son nom. Et puis, ça me donne justement, ici, vous voyez, pour toute l'année, ses absences. Puis, si vous voyez aussi les totaux à la fin, là, ATDO, donc A pour absent, T pour tardif ou retard, D pour départ durant la journée, puis O pour autre. Donc, il est possible par la suite d'aller imprimer un rapport, soit en faisant un rapport rapide, et puis c'est souvent utile d'avoir cette information-là là, à la portée de la main lorsqu'on fait des suivis avec des élèves ou même pour l'équipe de la réussite au besoin. Les enseignants ont aussi la chance d'aller imprimer une feuille d'assiduité pour laisser, par exemple, à un suppléant. Donc, de leur page d'accueil, ils vont aller à l'onglet supérieur Gestion des notes. Ensuite, de la barre de menu, on regarde le bouton Rapport. Ensuite, on choisit Attendance. Malheureusement, c'est encore en anglais, mais les traductions continuent à tous les jours à être mises à jour. Puis, ici, on a 2 options. Présentement, les 2 rapports offrent le même type d'information. Donc, on va choisir liste de classes combinées pour l'entrée de présence. Puis, ensuite, on veut dire quelle section inclure. Je vais regarder toutes les sections. Est-ce que j'ai eu les périodes d'études? Non. Tirer par enseignant, parfait. Je vais trier par enseignant, pardon. Exécuter. Puis, ça nous permet d'avoir un rapport de nos classes pour permettre à les enseignants de venir prendre l'assiduité, puis d'aller remettre le tout au secrétariat au besoin. Donc, tu vois ici, j'avais sélectionné tout, donc j'irai pour toutes les classes disponibles.